Entrée des moines. 1. On dirait que le site entier, sous un lissoir, se lustre et dans les lacs voisins se réverbère. C'est l'heure où la clarté du jour d'ombre s'obère, où le soleil descend les escaliers du soir. Une étoile d'argent lointainement tremblante, lumière d'or, dont on aperçoit le flambeau, se reflète mobile et fixe au fond de l'eau, où le courant la lave avec une onde lente. À travers les champs verts s'en va se déroulant, la route dont l'averse a lamé les ornières. Elle longe les noirs massifs des sapinières et monte au carrefour coupé le pavé blanc. Au loin scintille encore une lucarne ronde qui s'ouvre ainsi qu'un œil dans un pignon rangé. Là, le dernier reflet du couchant s'est plongé, comme en un trou profond et ténébreux, la sonde. Et rien ne s'entend plus dans ce mystique adieu. Rien. Le site vêtu d'une paix métallique semble enfermé en lui, comme une basilique, la présence muette et nocturne de Dieu.